De culture et de divertissement. Vous avez au micro Emmanuel Amobu et comme tous les jeudis, je suis en compagnie d'Abdel Koné. Bonsoir Abdel. Bonsoir Emmanuel, comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi? Ouais, ben ça va. Hein. Tu peux être la forme apparemment. T'as relâché tes cheveux et tout. Ouais. Alors, chers auditeurs, bonsoir. On espère que vous allez bien aussi. Hein. Vous avez passé une excellente journée et que la soirée commence bien pour vous également. Et nous sommes pas seuls dans le studio, on est avec 60i, Robadab, 60i et Abou Dia. Ouais, bonsoir, bonsoir à tous. Le philosophe, comment tu vas? Voilà, merci, ça va bien. Un peu. D'accord, donc voilà, on est tous présents, nous avons deux invités, ce sont deux jeunes, il y a un qui est rappeur et l'autre est slammer. Donc vous aurez l'occasion de les découvrir tout à l'heure après le son de Kiff No Beat. Étonné, c'est tout nouveau, c'est sur Alpha Blondie FM on air. En exclusivité. Étonné. Alors de retour au studio. On espère que vous avez aimé ce son de Kiff No Beat. C'est tout nouveau, étonné. Et il ben a oui, mangé 4 boules d'achéqué. 4 boules d'achéqué. Il y a des goûts aussi, ça ce sont les filles de Yopougon, Makori là. Il y a Dio. Ah, faut pas critiquer les Yopougon. Ah bon, hein. Laissez-moi, mais moi j'ai vu des filles de Cocody une fois, comment on appelle ça, ma Sokosi là-bas, là, elles ont pris chacune 2 grandes pizzas. Chacune. Deux grandes pizzas chacune. Ça fait 4 grandes pizzas à deux. Elles n'ont pas mis 20 minutes pour terminer les 2 grandes pizzas. Elles sont relevées, elles marchaient comme si elles n'avaient rien mangé du tout. Elles n'avaient pas la forme de Lily. Non, quand même. C'est un autre gabarit. C'est la forme, non. C'est très très salaud. Voilà. Voilà, parlez dans le micro, hein, les gars. Et donc, nous sommes avec Asapsi et Sekacha. C'est moi-même, Michuan. Voilà, c'est quand tu as répondu à Sapsi, il allait un peu timide. Fallait laisser le suspense. Mais bon, on va dire à Emmanuela de nous faire la bio de nos invités. D'accord. Emmanuela, la bio. Alors, on part avec la bio du premier invité, à Sapsi G. Comme est Jean-Cyril de son vrai nom, il débute la musique au lycée en 2010, puis intègre un groupe de rap dénommé Frim. Puis le groupe se dissout en 2013 et en 2017, il nous sort une mixtape intitulée Légendaire Homme avec l'un de ses amis. Puis après, Légendaire Homme, il décide de faire chacun carrière solo. Il est avec nous ce soir à On Air. Bonsoir à Asapsi G. Bonsoir, bonsoir. D'accord. Alors, Asapsi G, tu fais un genre, tu es timide de toute façon. Il est timide. Il est timide, pourtant il est bien barbu là. On dirait un vieux. On dirait Caris après, bon. Alors, on part avec le second invité en biographie, c'est Sekacha. Sekacha est un artiste, comédien, acteur de cinéma, lyriciste. Poète, slameur, scénariste, metteur en scène, enseignant de théâtre et membre de l'école des poètes Côte d'Ivoire. C'est ça. Il rencontre le slam en 2015, vice-champion du championnat national de slam Côte d'Ivoire 2016-2017. Il participe à la 5e édition du Festival international du slam et du mou du Mali. Yeah. Participant et membre du comité d'organisation de la première et de la deuxième, de la 3e et de la 4e édition à Kacha du Festival international de slam Abidjan, Babislam, un festival organisé par le collectif Au nom du slam. Ouais. Volontaire UNESCO en 2018 à Grand Bassam, il est aussi formateur en slam. Bonsoir, c'est Kacha. Bonsoir. Bonsoir, c'est Kacha. La parole a un rôle qui est de mettre l'homme sur les épaules des pôles de la vie et Dieu est le roi de la vie, l'homme a la loi de la poésie. En fait, c'est par la poésie que Fati Fatati finit si tôt parmi les fourmis de Gobi Gobi Bi du Mali. Fati Fatati, son cou se remplit des coris de la Libye, de la Mauritanie, de la Tanzanie, du Chili, de la Roumanie, de l'Italie. Hey, moi je fais de la poésie. Bonsoir. Bless up. Yeah, le poète a parlé. Bravo. Il y a que 60i même, mais en ébullition actuellement. Il est choqué. C'est le début. Après, c'est pour dire petit bonsoir. C'est Katia, c'est pour dire petit bonsoir. Là, tu as fait la route d'Abidjan à ton village. On peut faire ça. Sekacha, il m'a toujours impressionné, c'est un poète, ouais, doublé d'un rappeur, je veux dire ça comme ça un peu. Et puis je suis un grand danseur aussi. Et puis en même temps, humoriste de façon. Et puis je ne le découvre pas aujourd'hui, hein, contrairement à d'autres artistes que je découvre à la radio ici. Lui, je le connaissais un peu d'avant,
Et vraiment, je sais que c'est un bon gars. C'est un artiste. Il a plein de trucs. Il est full of art. Il est complet. Ah, ben, il voit que vraiment, tu apprécies. Hein. Non, le vieux, c'est pas ma faute, c'est Dieu. Je m'aime étonné. Arrête ça. Je vais t'étonner dans la petite fille. Doucement, hein. Je m'aime étonné. Doucement, hein. C'est Katcha. Oui. Alors. Mais c'est Katcha, c'est pas la première fois qu'on te reçoit ici. Non, c'est la seconde fois. La seconde fois. Et je tiens à vous dire déjà merci. Merci à Alpha Blondie FM. Merci à toute l'équipe. Et merci à tout le monde. Sauf à. Merci à Mobio. Ouais, voilà. Pourquoi sauf merci à Mobio que nous avons pu contacter grâce à Emmanuela. Oui. Mais à qui il dit pas voilà merci. Pourquoi le merci est venu en dernière position. Il dit sauf. Mais il garde le meilleur pour la fin. C'est toujours comme ça. Ah, qui aime bien, retient bien. Garde le meilleur pour la fin, donc c'est tout à fait normal. D'accord, alors Asaf Sidji, vous, c'est votre première fois ici. Effectivement. Comment s'est passé le trajet pour venir? Ça n'a pas été assez compliqué, les embouteillages? Tranquille, en Algérie, j'étais avec mon gars. Donc. D'accord, enfin un coucou à ton gars. Bon, voilà, donc il dit qu'il a pu gérer le trajet. Mm-hmm. Déjà, mais il est un peu timide, on dirait, ça nous fatigue. Là, bon, un gars timide. Un gars timide qui rappe. Ça veut dire que tout, comment on appelle ça même, ils mettent tout ça dans le rap au fait. C'est le que charme, tout ça là, tout est tout dans le rap. Donc c'est quand ils rappent qu'ils se sentent vraiment à l'aise et tout, c'est ça? Bah, on peut dire ça, en fait la musique... D'abord même, si tu es timide même, tu fais ça. Bon, je peux pas dire que je suis timide, tu vois. Moi je suis tel que je suis, peut-être après les gens qui auront à faire des commentaires sur ma personnalité ou autre, mais bon... Je ne peux pas dire que je suis timide en tout cas. Bah, vous voyez qu'il n'est pas timide, voilà. Il s'exprime correctement, normalement. Voilà. C'est juste que je n'ai pas commencé. C'est ce qu'on dit en Côte d'Ivoire, c'est un faux timide. Moi, voilà. Je suis timide même. Beaucoup, timide même est étonné. Donc, Asaf Sidji, d'abord, pourquoi Asaf Sidji? Asaf Sidji, ça non? Voilà, Asaf Sidji. Sidji. Sidji, je m'appelle Jean-Cyril. Donc, je ne voulais pas faire JC, ça fait un peu trop femme. Donc j'ai dit merci, Jean Sidji, Cyril Jean Sidji. Mais d'accord. Donc à ça, bon, c'est lui as soon as possible. En plus, c'est un anglophone, il comprend l'anglais, c'est bien. Il y a des gens, le mal est fini. Mais ça veut dire quoi? Traduis-le en français. Dans le contexte dans lequel je suis, je dirais que c'est rien n'est impossible, quoi. On le fait dès qu'on peut. Ok. Ça veut dire on le fait dès que possible. Dès que possible. D'accord, ça, ok. Donc, je pense qu'on doit se rapprocher du micro pour se faire entendre. Hein. Ouais, ça le fait dès que possible. Très important. Ouais, voilà. Donc, Asaf Sidji, tu as commencé à chanter depuis rapper, c'est ça, non? Ouais. Tu as commencé rapide, directement rapide. Dans le rap? En fait, moi, à la base, depuis tout petit, avec l'influence de mon père, qui écoutait bon, toutes sortes de musiques à la maison, c'est-à-dire Papa Wemba, Bob Marley, Johnny Hallyday. Bon, je pense qu'inconsciemment, ils nous ont menés à aimer la musique. Donc moi aussi, j'étais attiré par la musique facilement aussi. Donc on va dire j'ai embrassé vraiment cette carrière musicale ou bien je suis devenu acteur dans la musique quand je suis arrivé au lycée. J'ai croisé un groupe de rap là, Frénétique. On a commencé à... C'était où ça, quel lycée? Lycée municipal d'Atikoubé. D'accord. Ouais. C'est là-bas que j'ai croisé mes gars. Bon, au départ, j'étais pas dans le groupe. Je suivais, j'écoutais. Tu faisais ton truc, tu as déjà commencé à faire ton truc ou bien pas encore? Pas du tout. J'écoutais simplement. Et puis un jour comme ça, bon, je me suis testé à la matière. J'ai vu que j'ai dit à mes gars, bon, écoutez ce que j'ai fait. Il y a mon ami, comme il s'appelle, Boulbi, Régis. Il a dit à mon gars, mais c'est bien, intègre le groupe. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est de là qu'on a commencé à travailler ensemble, faire des prestations, faire des sons, jusqu'à ce que le groupe se casse. Pas parce qu'il y a eu des histoires, mais bon, ils ont voulu arrêter à cause de l'école, ce genre de choses. Donc j'ai fait carrière solo jusqu'à rencontrer quelque part, quelques années plus tard, du moins, un ami que je salue au passage, l'autre CAS, qui était au Maroc, qui m'a recontacté, qui m'a dit, ah, mais gars, viens qu'on bosse ensemble. Il lui a dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est par la suite qu'on a fait une mixtape, Legendary Home, qui est disponible sur YouTube. On a formé un collectif. On ne peut pas dire un label, mais c'est un collectif, une musique. Et ça, ça remonte à combien de temps, 2017. Ouais, la mixtape, on a fait ça en 2017. C'était une mixtape, au départ, on partait sur 19 sons. On a réduit. En plus,
On est moins, hein. On est moins pratiquement. Puis il était venu pour les vacances, on a fait le son, tac, 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 tac. Son frère. Moi, vous avez, comment on appelle ça, arrangé tous ces sons-là. Ouais, on a fait 19 sons. On a posté que 10, on a sélectionné 10. Et ça s'est comporté comment mon frère, mon ami Lotia S, il était au Maroc, il avait son home studio. Uh-huh. Il m'a contacté, il m'a dit, ah, je viens en vacances, donc tel mois, viens en taf. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Je me suis retrouvé chez eux à la maison, chez son frère, on a mis le matos. Donc chaque soir à 17h, je venais. Uh-huh. Son frère beatmaker, Kida Senjou. D'accord. Il mettait les pods, on écrivait sur le champouzé. En fait, c'était plus facile pour vous de produire de la musique puisque vous avez déjà le matériel, ouais, le matériel à votre disposition. Aussi, ça facilitait. Du beatmaker, ça, non? Ouais, ça facilitait. Du beatmaker qui était vraiment prêt pour vous aussi. Ouais, hein. Exactement, oui. En fait, bon, on va dire c'est la passion parce qu'on ne calculait pas, ça se faisait. Oui, ça lui plaisait aussi d'avoir des rappeurs pour ouais. Voilà. On gagnait tout son expérience, hein, parce que... Uh-huh. Il n'avait jamais forcément travaillé avec des rappeurs. Nous ouais. aussi, on avait. Bon, moi particulièrement, j'avais jamais été dans ce contexte-là. Uh-huh. C'est-à-dire faire des sons pour un projet, avoir une visée, une vision musicale et autres. J'avais jamais fait ça. Oh, donc c'était ma première fois. Bon, c'était plus de la passion qu'autre chose. Quoi. Mais comment tu t'es senti une première fois? Comment tu t'es senti? J'étais moi-même, c'était cool. Tu as aimé au fait? Il n'y avait pas de pression vu que j'étais avec mes amis. Donc. C'était super, c'était en fait, en même temps tu rêvais, tu te disais que ça pouvait déboucher sur quelque chose de vraiment extraordinaire. Par exemple, le succès bon, en fait, et tout ça. Tu avais déjà pensé à ça? Pas forcément. Nous, mais c'était juste c'était, pour se faire connaître, pour dire aux gens que je voilà. Je ne dirais pas ça, c'était plus, comment je vais dire ça, on vivait notre passion. Le volet partage, après le projet, on n'avait pas forcément calculé ces détails-là. Nous, on vivait notre passion. On ne se disait pas ça, ce style de son, ça va plaire à tel public, donc il faut qu'on fasse ça. Enfin, vous n'avez pas pensé, au départ, on n'avait pas pensé à faire carrière. Bon, je ne dirais pas. On s'est dit dès le départ, on ferait un projet. Uh-huh. Après, si c'est vous bon, voir comment se comporter, on partage, fait, exactement, ouais. On partage. Donc, c'est dans ça qu'on a fait des sons pop, des sons dancehall, des sons rap, des sons... Bon, en tout cas, on a surfé sur tout ce qu'on peut. Ouais, pop, le titre c'est Pop Z. D'accord, alors Asafsi, moi j'ai une question. Vous avez dit que vous avez commencé à côtoyer la musique au lycée. Ouais. Et après, comment ça s'est passé? Comment vous avez fait? Est-ce que vous avez choisi l'un des deux ou vous avez continué avec les deux? Et si vous avez continué avec les deux, comment vous êtes arrivé à faire la part entre la musique et les études? Bon, je pense pas que ça m'a pas posé de problème de le faire vu que. On va dire la carrière musicale que j'ai embrassé du moins, ça n'a pas réellement décollé. Donc ça n'a pas eu vraiment d'influence sur mes études. Donc là, on va dire la musique, je la faisais comme une passion quoi. Je partais à l'école. Je suis quelqu'un, je ne sors pas beaucoup, je suis toujours à la maison. Donc les temps que je passe à la maison, c'est musique. Ah, du genre transport. Musique, études. Ouais, musique, bon, ouais, c'est pas... Mais est-ce à dire que les études primaient sur la musique, raison pour laquelle votre carrière n'a pas décollé? Les deux avaient le place. Ouais, les deux avaient le place du balance, la balance est équilibrée. Exactement. Tu sais, quand tu es au lycée, tu as le temps de faire de la gymnastique. Ouais, aussi. Bon, d'accord, aussi. Alors, et quelle a été la réaction de vos parents face à votre désir de faire de la musique? Bizarrement, bon, je vais dire Dieu merci, ils n'ont pas... Mon père n'a pas été contre, ma mère non plus. D'accord. Mon père, comme lui aussi, il aime la musique. Au début, il se disait, mais bon, qu'est-ce que tu fais? Donc, je lui ai fait écouter quelques sons, il a apprécié. Hein. Oh, yes, I... Je pense que c'est pas parce que je suis son fils. Mais lui-même, il a dit, c'est pas parce que je te connais, mais c'est bien. Ouais, c'est là. T'as charmé le vieux. Ouais. Contrairement. Mais c'est bien, si tu prends en fan en premier ton vieux, c'est que ouais. Ça va aller. Ma mère même, c'est mon son que ça sonne. Yes, ça. Mais contrairement bon, contrairement aux artistes qu'on a l'habitude de. C'est l'encouragement qu'il peut faire. Tout, voilà. C'est tout. T'encourager verbalement comme ça. Faut pas compter sur faire plus. C'est d'habitude. Non, mais déjà. C'est déjà énorme. Oui, c'est vraiment énorme parce qu'on a tendance à voir des artistes qui disent au début, mes parents, ils voulaient pas du tout. Et tout. Et même, on a Oprah qu'on a reçu la semaine passée, qui a son père qui était totalement catégorique bon, sur sa après, carrière. Après, il faut voir que je suis resté moi-même. La musique n'a pas eu, je vais dire, quoi, négatif sur ma personne. Pour l'instant. Sur la même. Bon, je pense pas pour que... Pour l'instant, parce depuis 2010. Parce que aussi, il faut dire que ça dépend de comment les choses évoluent. Hein.
si ça décolle, que les gars commencent à venir chercher bon. En Cadillac, tout ça. Non, ça je pense que après, chose, si je faisais la musique, que je rentre à la maison tard, je vais voir que son fils est en train de prendre une voix bizarre. Il allait être chaud, quoi. Mais je suis resté lui-même dans mes conversations avec lui, dans mon attitude à la maison. Oui, parce qu'en ce moment, tu es en famille. Ouais, mais à un moment donné, si tu fais carrière musicale et que ça commence à décoller d'une manière, tu ne pourras plus rester vraiment en famille, au fait. Tu oui, vois ouais. Tu pourras plus. Et là, il y aura d'autres, comment on appelle, facteurs qui vont apparaître. Tu vois, ouais, dans le futur, on verra. Voilà. C'est pas faux. Du coup, c'est un peu ça. Abou ? Yes, I. J'ai demandé ta question à lui dire. Hein. Notre artiste, as soon as possible. Hein? Non, en fait, moi, bon, j'attends d'écouter son son. Parce que c'est vrai que quand on reçoit des artistes comme ça, moi, on peut les juger au physique. Hein. Là, il est. Moi, je trouve qu'il est cool. Ouais, beau gosse. Beaucoup barbu, plus que moi-même d'ailleurs, alors que c'est mon petit. Yeah. Mais j'attends d'écouter son son. Normalement, on doit passer un truc à lui, non? Oui, on va s'écouter un son de ASAP CD. Voilà. JPRC, je peux rien créer. Ça? Ouais, exactement, c'est ça. D'accord. Je suis en ville, mais dans un coma, je crois que je peux rien crier. Là-bas le pif, je ne veux comment, c'est qu'elle a répété. Je suis en vie, mais dans un coma, je crois que je peux rien crier. Je crois que je peux rien crier. Je crois que je peux rien crier. Je suis en vie, mais dans un coma, je crois que je peux rien crier. Là-bas le pif, je ne veux comment, c'est qu'elle a répété. Je suis en vie, mais dans un coma, je crois que je peux rien crier. Je crois que je peux rien crier. Je crois que je peux rien crier. Mon gars, j'suis en feu, j'aime me consumer. J'ai trop d'esprit, j'suis dans Consomos. Tu me verras de Rosy à bonhomme. Pas pour ce que tu crois, c'est anodin. La crosse sur le tableau ne prend pas le noir. Mais le tableau, mon gars, il est parsemé. Une image qui illustre l'histoire humaine. J'suis dans ces bachagues et j'suis dit qu'on sort. Pour ceux qui me connaissent, ASAP ne boit pas, ASAP ne fume pas, ASAP c'est fou, qu'un fouca dans son t-shirt, ASAP c'est deux bouquets et dans l'approche, ASAP c'est fou, là d'esprit dans le mobile. Boudou, lisez moi j'kiffe sur Moya, j't'aime à son gros qu'un peu slip dans la sucre là. Tu crois c'est facile, tu crois c'est facile, ça demande de l'œil, laisse le coup clôté. Pour casser le pont, ben faut casser le dos, pour casser le pont, ben faut casser le dos. Si sur le côté, je débatte mon gars, si sur le côté, je débatte mon gars. Des fois, je me demande comment je me suis pris, pour avoir éteint le boule de mon lit, pour avoir éteint le boule de mon lit. Ici va la vie, on t'en fait la. Et si dans la vie on t'a fait l'amour. Je suis en vie, mais dans un coma, je crois que je peux rien crier. Là-bas le bif, je ne veux comment, c'est qu'elle a répété. Je suis en vie, mais dans un coma, je crois que je peux rien crier. Je crois que je peux rien crier. Je crois que je peux rien crier. Je suis en vie, mais dans un coma, je crois que je peux rien crier. Là-bas le bif, je ne veux comment, c'est qu'elle a répété. Je chante pas bien. Mais tu chantes quand même, c'est bien. Ça va. Vous n'allez pas me laisser. Comme aujourd'hui, je suis un peu tranquille là. Ça vous plaît pas de dégager. On dit que tu chantes pas bien, mais tu chantes. Faut pas charmer les filles. Kacha. Quand même chanter. Kacha de te provoquer. Et c'est ça qui est bien. Voilà, c'est ça qui est. C'est d'accord, ce qui est alors vos appréciations avant que moi je parle. Tu as un joli cœur. Ah bon, qui a un joli cœur ici Moi, moi-même, il y a toujours ce que mon cœur est un noir. Dans le micro, s'il vous plaît. D'accord. Son cœur est noir, son cœur est joli quand même. Alors, Abou, toi qui demandais à l'écouter, oui, oui, as soon as possible. Hein, je veux dire tout ton nom. Hein. Abou, tu vas nous montrer que c'est un demande, tu comprends anglais. Oui, ça, I do speak English. Frustration. Non, il n'y a pas de frustration. En tout cas, j'aime bien le son. Hein, j'aime bien le son. Et puis, j'ai vu que bon, tu te relâches un peu, et puis tu t'exprimes un peu plus à la radio ici parce que ton son passe. Ce qui veut dire que vraiment, merci. Tu n'es pas aussi timide que ça. Justement. Voilà. Et ouais, si on te met dans les conditions, hein, tu vas pouvoir t'exprimer facilement et puis tu t'exprimes bien. J'espère mieux. Voilà. Donc j'ai bien aimé le son. Franchement, bon,
Je pense qu'il y en a d'autres aussi qui sont aussi bien. Abdel m'a parlé d'une bonne playlist. Hein? Ouais. Non, on dit plus Abdel, on dit Ras Babel. Ras Babel. M'a montré une bonne playlist comme ça. Je crois qu'il y a plein de sons. Ouais. Et franchement, je vais commencer à les écouter pour voir un peu ça me fera plaisir. Ça me fera plaisir. C'est déjà un bon début comme ça. Merci. Ça me fera plaisir. Bon, voilà, il a donné son avis. Maintenant, moi, je voulais te demander un truc. En fait, je vois que le titre, c'est JPRC. C'est vrai que je ne peux rien qu'y créer, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi je peux rien créer, parce qu'on sait que Didi B a fait sortir un son auparavant où il disait que les rappeurs ne pouvaient rien créer, au fait. Ouais. Et je crois que c'était quoi? C'était IPRC, donc quelque chose comme ça. Tu peux rien créer. Ouais, tu peux rien. Un truc comme ça. Mais c'était le truc, c'était que les rappeurs n'étaient pas à la hauteur, en fait. Si. Et là, toi, tu fais un son et tu dis je peux rien créer, comme si tu confirmais, en fait, ce que Didi B disait. Si. Là, tu confirmes? Non, pas du tout. En fait, c'est pas la même chose. Comme on dit, je peux rien créer, c'est un constat. Parce que, comme je disais tantôt, on a un collectif. Lui, Music. Il y a des beatmakers, il y a des rappeurs, il y a des infographistes et autres. Je pense qu'on a beaucoup de talent. D'accord. Les gars ont beaucoup de talent. Mais le constat que je fais, c'est que malgré le talent qu'on a, on n'a pas assez de moyens quelque part pour booster ce qu'on fait, pour essayer d'exposer nos œuvres. Donc face à ce constat que je fais, c'est comme si je disais, je suis en vie, mais dans un coma, je ne peux rien créer. C'est comme si on vivait, on a du talent, on peut faire des choses, mais sans quelque chose, on n'arrivera pas à exposer notre talent. Donc c'est un constat que j'ai fait de la situation, de ce qu'on vit, quoi. C'est pour ça que... De faire ce qu'ils veulent, c'est ça. Aussi, on va dire, parce qu'on a des critiques comme quoi, non, ça prend pas ici. D'ailleurs, mais j'ai un son, le titre, c'est ça prend pas ici. Ça prend pas ici. Ça, je pense que c'est une autre fois, peut-être dans la playlist, que les auditeurs vont écouter ça. Ouais, ça prend pas ici. Mais bon. Donc, voilà, en gros, c'est ça. Voilà, gros, que c'est bien expliqué. Sinon, je me disais, voilà quoi. Un rappeur qui dit, Didi B avait raison, en fait. Non, ça n'a rien à voir. C'est que les gars ne pouvaient rien créer. Sinon, dans l'ensemble, moi, j'ai bien aimé, quand même. Ou bien si. Oui. J'ai bien aimé. J'ai ressenti un peu de Damso, quelque part. Il a une de ses chansons, là. J'ai oublié le titre, ouais. Même quand j'écoutais la chanson à la maison, j'avais pensé à ça. Je ne peux rien créer, là. Oui, donc je ne peux rien créer. D'accord. Bah en tout cas, c'est pas mal, c'est bien. Merci. Et c'est bien. Parmi tes amis, tout ça, le quartier, ça se passe bien, les gars, quand ça veut dire quand ils t'écoutent. Ouais, quand même, mon entourage aime bien ce que je fais. Mais après, comme je disais, on se ramasse beaucoup de critiques comme quoi ce que vous faites, ça ne peut pas prendre ici. C'est trop Frenchy, c'est trop américain. Il faudrait que vous fassiez du rap, ivoire, ce genre de choses-là. Du Zouglou, quoi. Ouais, est-ce que le rap que tu fais, c'est seulement pour la Côte d'Ivoire ou pour les Ivoiriens? Déjà, je me pose même pas cette question. Tu fais ce que tu ressens, c'est la logique, tu apprécies, selon ton ressenti. Au fait. Je me dis que ce que je fais, je crois que c'est bon. Donc après, c'est les moyens qui vont manquer pour essayer d'exposer réellement ce que je fais. Je ne doute pas. Donc, faut que. Ok, je peux faire un son coupé décalé parce que je veux. Parce que je sais que j'ai la possibilité de faire ça. Pas par contrainte. Exactement. Mais déjà bravo parce que, avec les réseaux sociaux, tout ça, on est à l'international maintenant. Hein. Ouais. Il n'y a plus l'histoire d'être ivoirien ou tout ça. Tu fais ton son ici à la maison, les gars à New York, les exactement. Gars. Exactement. Et bizarrement, je reçois beaucoup de messages de gens qui ne sont pas du pays. Ailleurs, en fait. J'avais dit que déjà sur le bon chemin. Voilà, mais est-ce peut-être le fait que Asaf Sidji n'avait pas le temps en fait de vraiment se consacrer à sa carrière? Parce que je pense bien qu'en dehors de la musique, vous faites autre chose. Ouais, quelque part. Voilà. Souvent, mes gars me disent ça. Ils me disent que peut-être que c'est parce que tu n'es pas à fond dans ce que tu fais. Mais moi, je pense qu'au fil des années, j'ai mûri musicalement. Mm-hmm. Avant, on faisait que du rap. Mais c'est vrai que la musique n'a pas vraiment décollé. Mm-hmm. Mais mon niveau n'a pas stagné non plus. D'accord. Il y a de l'amélioration. Donc, c'est tout ce qui m'intéresse. On reconnaît que peu le importe, niveau est bon. Bon, en tout cas, c'est bon. Moi, j'ai une dernière question, peut-être. Ras Babel, excuse-moi.
à ça. J'aimerais savoir les textes, tes textes de rap que tu écris là, tu les écris le matin ou le soir? N'importe quelle heure. Ah, je me demande pas un jour, question, j'étais dans un baka, j'étais en train d'écrire un son. Il y a un gars qui était à côté de moi. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Bon, c'est un ami. Il lui a dit que je suis en train d'écrire. Il se dit, ah, même dans le baka. Oui, oui, mais là, t'as pas répondu à la question. Non, ouais. Je vais répondre le baka la nuit, le en matin. Fait, je peux, n'importe quoi. Je peux écrire à tout moment. Faut, ah, mais okay, seulement okay, qu'il faudrait que j'aie l'inspiration. Il okay, faut que ça. Ouais, okay. Et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'inspire? Enfin, qu'est-ce qui vous inspire en général pour écrire? Beaucoup. C'est pas toi en tout cas. C'est pas quoi. Les auditeurs, je vous ai toujours dit Abdel est contre moi. Abdel veut que je me célibataire. C'est pas elle, mais aussi les femmes. Voilà, c'est pas elle. On dit les femmes, je suis dedans. Les auditeurs, elle je suis encore elle célibataire. Elle n'est pas dedans. À parce cause que, voilà, Abdel, célibataire va me tuer. À chaque fois, on a une émission, voilà quoi. Faut te calmer aujourd'hui, là, s'il te plaît. Il dit qu'il faut me laisser, Abdel, il y a quoi? On est en train de découvrir Asafsi. Mais c'est ce que laisse-nous le demande. Tout ça fait partie de la découverte. Asafsi, t'es pas d'accord? Clairement. Après, j'ai pas demandé à ce qu'il soit inspiré par moi. Tu sais que je force pas, je suis tellement jolie. Ah mon Dieu, je pleure. Bon, j'ai pas dit ça tout à l'heure. Voilà. Non. On l'a habitué maintenant. Moi, mes larmes, là, c'est avec les liasses qu'on est su. Les liasses de billets, les billets violets, je précise. Donc, Asafsi, là, on est avec Sekacha. D'accord. Donc on va un peu le chauffer. Lui-même il est déjà chaud, il bouge comme ça. Aussi ce qu'il fait. Quoi. C'est Kacha. Yes. Ouais, on dit quoi mon frère? I catch you. Ah ouais, voilà. Le c'est poète. C'est mon gars. Nous a fait un poème tout à l'heure. Là. Tu nous avais fait un poème tout à l'heure là, vraiment oui. C'était très inspirant. Hein. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir un petit bout de ce poème là? Bête des pourprès, nous, ils. D'honnête, rien ne dit, certes, parle, il est. Monde du financeur, les tous ont-ils pour mieux endormir la jeunesse dans la ronde un jour. Plus personne ne lit la ronde des jours. Monde leur dans, tu peux courir, crier, saluer, te voilà une étoile, te voilà une star sur la toile. Nos mœurs se liquent et fichent chaque jour qui passe et partir au bout du monde. Le monde tend vers sa fin. La fin d'une chose au mieux que son commencement. Au commencement était la parole. La parole se trouve dans la bouche de l'homme. L'homme est un loup pour l'homme lui-même. Ne cherche pas à comprendre, écoute seulement. Enterré, lecture, la rue, les d'embrouille du art, l'heure dans recherche de plus, richesse de plus. Hey, tôt ou tard changera cela et bon tient en nous, mais tout est simple à présent. Tout est simple et pressant. Créativité de plus, logique de plus, bafoué, honneur, pudeur de manque. Insensé, chorégraphie là de merde, de sonorité une. Fixée, destination de pas, navire, des conduits, style méditerranéen, de la gueule là d'infini, c'est un an pas haut comme la vie est belle. Partir au bout du monde, le monde tend vers sa fin. La fin d'une chose au mieux que son commencement. Au commencement était la parole. La parole se trouve dans la bouche de l'homme. L'homme est un loup pour l'homme lui-même. Ne cherche pas à comprendre. Écoute seulement. Du sale que du sale instant, chaque nos oreilles d'enfants, tous ont-ils noir le vert court le monde. Du lundi au lundi, ces enfants deviennent terribles. C'est donc l'époque de la légèreté, l'époque de l'irresponsabilité. Lui a aller, égocentré, égocentrique, égotripe, chacun prêche sa puissance. Alléluia! Pays beau, culture belle, tendre, mixture belle, poésie. Hey, toi de retour, regarde, tu vois, ils sont tous rois. Nous respectons alors d'identité, nationalité, de manque notre monde. Je roule des mots simples, simples, simplement. J'écoute la voix des saints, saints, sainement. Le mensonge est un songe qu'on fait amant. La vérité est un vé de riz et de thé. Partir au bout du monde, le monde tend vers sa fin. La fin d'une chose au mieux que son commencement. Au commencement était la parole. La parole se trouve dans la bouche de l'homme. L'homme est un loup pour l'homme lui-même. Ne cherche pas à comprendre, écoute seulement. Ne cherche pas à comprendre, écoute seulement. Écoute seulement, ouais. Ouais, ouais. Ah, ouais, c'est bon. Fais tout c'est pour ne nul. Pas te faire peur. Merci par beaucoup. Écoute seulement, c'est déjà c'est bien. Le titre du prochain, du prochain album de Sekacha. D'accord. Un album de combien de titres? On part sur 18, sinon on peut avoir 22. Ouais. Inspiration Nanga. Quand il pense à moi, il est inspiré comme ça. Il n'a pas dit non, pense à toi. Abdel, il y a quoi? Vous me laissez aujourd'hui la tentation sur ma vie. N'a que pas se passe? Il pense à toi. Voilà. Allez, vraiment, la fille là. Donc c'est un peu ça. Ça vient bientôt. Je compte vraiment lancer ça en fin d'année là, donc décembre. De sorte qu'en janvier ou février, le Massa c'est déjà en mars, je suis sélectionné en Massa In. Donc, voir comment je peux. Félicitations! Ouais, merci. Bravo, c'est Kacha! Le seul slammer ivoirien à être retenu. On donc, sait. Déjà, voilà. Donc, merci au Massa. Et aussi, je suis membre de l'École des Poètes, donc c'est le groupe aussi qui est retenu. Parfait. Voilà. Donc, déjà, félicitations. Voilà, merci beaucoup.
avant déjà, on va se dire, ceux qui veulent vraiment voir ces Kacha sur la scène pour un délire avant peut-être le Massa, avant la sortie de l'album, c'est le 10 décembre à l'Institut français de Côte d'Ivoire, 19h. Il y aura plusieurs slameurs sur le festival qu'on appelle Écritude, un festival de l'école des poètes, et ces Kacha va tuer. Ah, il va tuer. Non, mais c'est bien. Moi, j'aime bien ça. Tu vois, c'est bien. Ça change un peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre avec les. Non, mais là, c'est un texte que j'ai écrit normalement, mais que j'ai bossé à l'envers, en fait. Donc, c'est un texte que j'ai écrit normalement. Tu as commencé par la fin. Ouais, j'ai bossé les phrases de la fin vers. Jusqu'au début. Bêtes des pour prennent nous, ils nous prennent pour des bêtes. Bêtes des pour prennent nous, ils d'honnêtes rien ne disent. Parle, certes, ils émondent du financeur, les tous ont-ils. Pour mieux endormir la jeunesse dans la ronde, un jour, plus personne ne lit la ronde des jours. Monde l'heure dont tu peux courir, crier, saluer. Et te voilà une étoile, te voilà une star sur la toile. Nos mœurs se liquéfient chaque jour qui passe. Partir au bout du monde, le monde tend vers sa fin. La fin d'une chose, mais que son commencement. Au commencement était la parole se trouve dans la bouche de l'homme. L'homme est un loup pour l'homme lui-même. Ne cherche pas à comprendre. Ne cherche pas à comprendre, écoute seulement. Ouais. Écoute seulement. Ah ben c'est bien, c'est bien. Et on voit que d'après ce que tu nous as dit tout à l'heure concernant ton actualité et tout. Voilà, au Massa et tout voilà, ça. Donc il y a déjà le Massa, nous on est déjà prêts, je pense, mon équipe et moi, on commence les répétitions dans peu, juste après notre festival du 10 là. Et on va déjà donner le meilleur de nous, c'est pourquoi je suis en train de taffer de sorte que l'album puisse coïncider avec. D'accord. Parce que cet album, je le veux grand, pour éviter que ceux qui vont découvrir ces Kacha en 2022 écoutent que deux sons. Comme des artistes que je n'ai pas cités en fait, deux noms. Donc je le découvre, il est bon, mais je n'écoute que deux sons. Non, mais moi je veux que quand tu vas découvrir ces Kacha en 2022, que tu prennes deux heures de ton temps pour l'écouter. Parce que ça me fait déjà un album, une mixtape, des singles, et avec 18 sons encore ou 22, tu vas passer des heures à m'écouter. Bon, d'accord. Voilà, et c'est vraiment ça le but de cet album. Et quand je te dis écoute seulement, écoute seulement, cherche pas à comprendre. Je t'invite à écouter, écoute seulement. Écoute seulement, je ne cherche pas à comprendre. Et sur l'album, il y a vraiment beaucoup d'artistes. Et puis voilà, je sors de cette ligne de slam, slam, slam. Il y a des textes purement slam, certes, mais il y a aussi. Un peu de rap, voilà, un peu il de... y a sur l'album, il y a Tewi, il y a ma star Jaël Boni, il y a des slameurs, il y a Placide Conan. Je pense qu'il y a une remix. Il y a des textes qu'on va travailler en fait. Et c'est comme ça. Il y a plusieurs artistes sur l'album. Et, d'accord. Voilà, c'est Kacha, mais j'ai une autre question en dehors de. Avant la question, on va écouter c'est Kacha. D'accord. On va écouter un titre de c'est Kacha. Oui. Et on revient tout à l'heure au d'accord. studio. D'accord, merci. Il était une fois un beau grand village où vivaient des êtres beaux, grands, noirs. Un beau petit. L'Afrique n'était pas qu'une danse. Elle était le monde de la liberté qui assassinait le libertinage pluriel des êtres infâmes. Elle était population, union de peuples prônant respect de l'autre, l'amour d'autrui. L'Afrique n'était pas qu'une danse. Elle était une mère qui allaitait, nourrissait ses enfants et leur enseignait la divinité des lois de la terre, du vent, de l'eau, du feu. L'Afrique n'était pas qu'une danse. Elle était une Cora enchantée qui contait l'histoire mystique, mythique de nos vaillants pères, l'aventure fructueuse de nos conquérantes mères, la mésaventure des malfaiteurs de la forêt sacrée. L'Afrique n'était pas qu'une danse. Elle était un livre blanc de souvenirs, constructeur de l'individu autochtone, receveur de bonheur, de paix et de tranquillité. L'Afrique n'était pas qu'une danse. Elle était une famille blindée, soudée, qui n'écoutait que la suave voix des ancêtres protecteurs. Elle était ton calme fleuve d'enfants, un fleuve d'amour, un fleuve de désir, de plaisir, des hommes de bonté, hommes contemplateurs des courbes des étoiles noires. L'Afrique n'était pas qu'une danse. Elle était le futur guérisseur des maux du monde moderne, monde de médiocrité, de cupidité, de méchanceté. L'Afrique n'était pas qu'une danse. Elle était narratrice, poétesse des dieux vivants. Elle était source incontournable des contes, des légendes, des mythes. L'Afrique n'était pas qu'une danse.
Elle était forêt immense, dense, où vivaient les plus belles créatures du roi créateur, les créatures aux belles chevelures, les djinns. L'Afrique n'était pas qu'une danse. Elle était rythme de percussion, annonceuse de bonnes et de mauvaises paroles. Elle était son de battements de mains au clair de la ronde lune. Elle était voix limpide, féminine, masculine, transporteuse d'émotions vraies. L'Afrique n'était pas qu'une danse. Elle était célébration, consécration, conservation, considération, compréhension, méditation et... Katcha Afrique. L'Afrique n'était pas qu'une danse. Le titre, c'est une danse. Ah, le là, titre, c'est une danse. Afrique, ouais. En fait. Non, non, non. Moi, en fait, voilà, Afrique. Ouais. Mais du coup, c'est, le titre, ouais. C'est une danse. Une danse. D'accord. D'accord. Alors, avant de partir pour la musique, j'avais une question. Vas-y. Je la repose. C'était de savoir, en dehors de gérer votre carrière, ça a été dit que vous êtes formateur de slam. Mmh. Voilà. Et comment vous procédez avec votre carnet et tout, qui est super chargé, apparemment? Je dis déjà toujours merci à Dieu. Je suis hyper prolifique. Hein. C'est vraiment une passion, l'art, pour moi. Depuis ma classe de 3e au collège moderne Coco de Boaké, je me suis retrouvé au lycée d'enseignement artistique où je suis aujourd'hui enseignant. Et j'ai fait le lycée d'enseignement artistique en art dramatique. Et j'ai eu un bac H3, spécialité théâtre, après une licence professionnelle en théâtre également et un master 2 en pratique théâtrale. Donc je suis dans l'art et aujourd'hui j'enseigne l'art en fait. Donc donner des formations sur l'art, c'est une passion pour moi. Donc voilà, donc je donne le cours, certes, mais je vis ma passion en donnant le cours. Donc ça ne peut pas empiéter sur ma carrière. Du coup, ça bonifie en fait. Ouais, d'accord, ouais, félicitations, ouais, c'est Katcha. Le professeur. Elle professeur del slam. Bon, mais maintenant que tu as fini ta question, moi, voici ce qui m'intéresse là en ce moment. La là. Question. Moi, c'est que hors antenne, ils nous ont fait un truc ici hors antenne là. C'était vraiment pas mal. Ah, ça, si tu as ouvert son cœur, bah, c'est chaud. On revient sur les questionnaires après. On a posé beaucoup de questions à mon frère. On revient. C'est Katcha, toi, tu es habitué d'ici. Lundi, tu es là. Mardi, tu es là. Mercredi, tu es là. Là, que merci, nous veux-tu? Là, t'es le professeur. Merci. Donc, attends un peu. Asapsi va apprendre un peu, tu vois, non? Merci. Sur toi. D'accord. T'es le professeur. Tu vas, tu vas lui apprendre. Dangereux. Tu vas lui apprendre ce que c'est que l'art. Mais Asapsi, c'est un artiste. Pour la guitare. And some of them are crazy. Yeah. Take it for real. Ha, 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 ha. Hey. G Gang, c'est sur le réseau qu'on s'est rencontré. C'est moi qui t'ai vu, je suis le premier pas. Salut ma belle, dis-moi comment ça va. J'ai vu ton profil, qu'est-ce que t'as lu, Cham? T'as répondu avec un smile et cœur. J'ai fait de même avec un smile et cœur. Tout était dit, c'est allé si vite. Deux jours plus tard, on se rencontrait. Ton fils est m'écrit au cerveau fort. Taille olympique, mais quand t'as même, tu sais. Elle va sur pied pour attaquer le terrain. Suis-moi toi un pour un premier contact. Ça monte ma crazy. Le live. La poésie n'est pas un art abîmé. La poésie n'est pas un art périmé. La poésie n'est guère un art passé. Elle est l'art des vivants, l'art du présent, l'art de la vie, l'art de la rhétorique, l'art du mot, l'art du poète. Je suis poète. Poète par vocation, poète par émotion, poète par passion, non poète par raison. La poésie vit dans la vie. La vie, c'est les lettres sont sentiments et les sentiments leur demeurent en moi. Moi, je suis poète par vocation, c'est pourquoi ma plume est d'une grande importance. Elle est près de moi pour traduire un immense silence de mon cœur. Elle est près de moi pour me donner la tonalité musicale de mes sentiments. Je suis poète par émotion, j'écris mon cœur, j'écris pour vivre, j'écris pour vous dire que écritude. 10 décembre, Institut français. Les hommes. Bravo. Ok, écoutez ça. And now I see tears. Think about that.
I can see clear, and that is alright. I just won't tell you and hear what I see. They can never take my culture to some of them are crazy. Bless up! Yes, sir. 97.9 Alpha Blondie. C'est gang, 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 gang. Woo! Hey, c'est fort. Alpha Blondie, Alpha Blondie. C'est fort, c'est fort. On air. Assap, t'es sympa. Hey. Depuis là, tu rappes seulement. Depuis là, t'es pas encore sorti de la télé. Ce que nous on veut danser. Yes, sir. Faut nous faire rigoler. Faut faire comme faire des biens. Seigneur, mais elle était bon. Faut faire freestyle en temps. Si le way bête, t'as pas buzz. Après, t'as fait des way. C'est comme ça que ça marche. C'est rap, il voit qu'elle est way. Tu vas suspect, faut lui dire. Tu vas rester, y'a pas caché. Tu montes sur scène, faut ça rime. T'es là pour ça, tu fais ton bail. T'es là pour ça, c'est comme zéro. T'es pas toi, te voyant pas, ils te voient dans les, ils te font vu. Pourtant, tu vois dans la story, c'est un partage de voix qu'ils ne connaissent pas. Petit à petit, j'ai compris. Faut compter sur soi et bosser dur. Mais quand il vient à Babi, les salles sont pleines, c'est ironique. Some of them are crazy. Take it. Get up. You send me cops and you send me trucks. You send me a lot of problem. I do no wrong and you come cross my way. Just because I take my culture to some of them are crazy. Tard les soirs, mon âme me quitte lors des crises sans fin que je pique, pique, c'est épique. Co-co-co, tu l'entends, il arrive encore. Il va s'emparer de mon corps, me l'enlever, l'emmener du côté de la mort. Laisse-moi tangoter, gumbeter, adjosser sur ces rayons de nuages noirs qui font vaciller mon être. Les mots sont simples et doux. Quand ils sont bien prononcés de leur bouche, yeah. Les mots sont simples et doux. Quand tu es assis sur une chaise, Alpha Blondie FM, dans l'émission On Air. Et voilà, c'est le live, hein. Et some of them are crazy. Exclusivité. Yeah, ja, ja. 97.9 Alpha Blondie, yeah, là. Vivre sa passion. Bouh. Ha, 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 ha. Hey, mais ma bruit est devenu Take it. And some of them are crazy. Yes, sir. Woo. Rastafari. Et voilà, c'est un super. J'aime, I love it. Oh my god. Et maintenant, est-ce qu'on va pas envoyer les beats pour les artistes et tout là? My god. Et donc là, vous avez eu un aperçu de... Vous avez dit que vous n'avez pas fini avec les questions. Moi, j'attends. De Sekacha. Sekacha qui vous a donné un petit aperçu du spectacle. Oui. Qui aura lieu... Le 10. Décembre. Décembre, voilà. À l'Institut français. À l'Institut français, à ne pas manquer. Hein. Ouais, l'école de poitiers, voilà. Voilà. Et on a 6 pays invités, le Canada, Mali, Burkina, Togo. Je pense que, ouais, la dernière fois, tu avais dit que tu avais beaucoup fait le Canada aussi. Partir. Non, normalement, qu'il devait partir au Canada. Mais j'ai déjà eu des demandes pour participer en fait, à un festival. Mm-hmm. Mais le visa canadien, il est hyper chiant. Oh. Non. Les Canadiens te veulent pas, Katia. Non, moi aussi je. Dieu veut que tu restes avec moi. Non, mais on espère que la prochaine invitation. Si tu es du Burida, je pense que tu arrives, tu n'as pas de problème. Hein. Normalement, ça c'est ce que moi m'a fait croire. Avec les croyances, nous allons aller dans la réalité. Et nous, vraiment, notre souhait, c'est que si jamais il y a une autre invitation pour le Canada, oui. Que tu puisses faire partie de ce voyage. D'accord. Voilà, et puis représenter dignement la Côte d'Ivoire. C'est ça même. Et nous, ça va nous faire plaisir de savoir si Katia au Canada, en train de faire
le show, mettre le feu là-bas. Ah, parce que là-bas, ils ont beaucoup froid là-bas. Ils ont froid, tu sais ça. Il faut les réchauffer. Là-bas, bien. Ouais, il faut les réchauffer avec les mots. C'est ça. Les avec paroles. La danse aussi. Faire les mots. Toute la neige, là. Voilà. Les mots doux comme la le voix, miel. Voilà, les mots sont simples et doux quand ils sont bien organisés en langue Wolof de chez nous. Les mots sont simples et doux quand tu les médites fait, chaque matin et jamais. Les réponses chaque soir couché sur le lit. Ne s'arrête les mots jamais. Sont simples et doux quand on leur accorde l'attention qu'il faut, le style qu'il faut, la cadence qu'il faut, la joie qu'il faut, la paix qu'il faut. Écoutez-les chaque jour, vous caressez tendrement les oreilles. C'est de la poésie. La parole sort de la bouche du loup. Mais attends, on l'a fait ensemble, hein. Ross Badel. Ici, moi j'ai envie de tacler un peu ces Sekacha. Vas-y, fais-le. Vas-y. Parce que ça ne me tue pas. Allez, c'est ta mine. Et puis, il n'y a pas faute. Moi, je tacle en douceur. Vas-y, on t'écoute. Sekacha que je connais bien, vraiment j'apprécie beaucoup et je vois souvent, je l'ai vu souvent sur scène. Yeah. Ouais, parce que Sekacha, bon, c'est pas seulement écouter, il y a aussi voir sur scène. Je l'ai vu en performance sur scène et bon, j'apprécie ce qu'il fait, quoi. Et la dernière fois que je l'ai vu sur scène, il a fait un conte. Oui. Ah, vraiment, le conte, là, il m'a tué. Attends. Encore lancé que t'es déjà parti. Il est chaud, bouillant, le gars. Vous ne connaissez pas Kacha, il est tout le temps chaud. Oui. Je vais lui dire, bon, oui. Ça parle. Oui, ça très parle. Bien, c'est mon enfant. Voilà, c'est pour ça que chaque fois, il te lance des gars. Ça parle du plat fils. Préféré oui. des loups, des gazelles. Bon, oui. c'est pas forcément des loups, mais en tout cas, des prédateurs, quoi. Oui. Donc, c'est bien, monsieur Gazelle ou un truc comme ça. Oui. Voilà, c'est l'histoire de monsieur Gazelle. Oui. Oh. Et bon, après, en tant qu'Africain, voilà, il y a un peu de langue dedans. Je ne sais pas oui. exactement beaucoup, quelle langue. Beaucoup, c'est en tagouanant. Voilà, exactement. Donc, ça m'a appris beaucoup de choses aussi parce que voilà, il y a des belles langues aussi qui sont prononcées une langue africaine. Ouais, même Assaf Sidi aussi, il chante en langue, il chante en baoulé, je crois. Ouais, mais laisse-moi finir, moi. Désolé. Fini. Je te rejoignais, en fait. Mon gars, quoi. Ouais. Donc, du coup, s'il pouvait nous faire un petit extrait comme ça là, de la chanson, il y a une petite chanson, il y a un air qui accompagne le conte. Ouais. Alors, le conte, il est drôle, hein. il faut l'écouter. Tu vois, on peut retrouver ça. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir une minute, un aperçu. Un petit air comme ça. Bon, d'accord. Avant tout, ce sont des contes que je sont en collection. J'appelle régulièrement ma maman pour la fatiguer. Et elle me compte des contes en langue. En langue. Et j'enregistre. Super. Donc, c'est un conte qui dit, il était une fois dans la forêt. Le roi avait décidé d'organiser une compétition. Il allait récompenser le meilleur. On ne savait pas ce que le roi allait donner, mais on savait que si le roi te récompense, tu ne peux pas mourir. Parce d'accord. que lui-même ne mourrait pas. Okay. Donc ça, c'était sûr. Tous les animaux ont donc fait une réunion. Bah, on va attacher la gazelle parce qu'elle court trop vite. En ce temps, c'était la gazelle l'animal le plus rapide. Donc on attache la gazelle. Et le lendemain, 6h du matin, paf, tout le monde est parti. Et là, il y avait deux nègres qui ne pouvaient pas avancer, qui sont vraiment lents. Hein. Donc, il y a la tortue et le caméléon. D'accord. Et ils vont faire un deal avec la gazelle. Ils disent, monsieur gazelle, nous, on veut te détacher. Nous, on veut participer juste à la compétition. Promets-nous que quand on va te détacher, tu vas nous mettre sur toi pour courir. C'est tout ce que nous, on veut. Ouais. Et il dit, il n'y a rien, détachez-moi. Et quand le détail se lève, il s'arrête, tira. C'est onomatopée tagona. Donc, ouf, il tira moi. Et il chante, il dit. Répète encore. Ou Fenaba, il retira. Il court et il vient s'arrêter. Comme un garçon. Il retira. Naba, il retira. Ah oui, yo. Kanangberiwe, Nacho Nana. Gunowe, Nacho Fegana, Woloshikleri, Woloshikoma. Il dit à la tortue de l'attraper sur sa queue. Et au caméléon de l'attraper sur ce qui est entre ses jambes qui pend là. Oui, oui. Voilà. Et il dit Kanangberiwe, Nacho Nana. Gunowe na chofegana, woloshikleri, woloshikboma, woloshikleri, woloshikboma. C'est magnifique ça. Hey non, c'est long. C'est long. Ouais. Merci Sekacha. Et surtout quand c'est accompagné de la danse. Ah bon. De la musique, la rythmique. C'est un spectacle quoi. Un petit son. Imagine avec la lumière, le jeu de lumière. Alors, c'est pour ça. Une salle sombre. C'est pour ça, Ross Badel. C'est pour ça que moi j'ai vu ça sur scène et j'en parle aujourd'hui parce que c'est merveilleux. Ouais, ça m'a fait plaisir. Vous qui nous écoutez, venez voir Sekacha sur la scène.
venez, venez vraiment, ne ratez pas ce rendez-vous. C'est où ça déjà? L'Institut français le 10 décembre à 19h. Sans tutelage français, maintenant c'est l'Institut français. Sans tutelage, les enfants comme Mobio n'ont pas connu ça. Donc maintenant c'est l'Institut français. Ouais, vas-y. Ok, donc là on a chauffé ce Katcha. On est déjà au thème de l'émission, on est déjà à la fin. D'accord. Et donc, ASAP. Ben ouais, t'as fait une bonne prestation hein, tout à l'heure là. Merci. Ouais, t'es lancé au moins 3-4 fois comme ça. Hein. Ouais. Merci. Voilà un monsieur aussi qui est très très dangereux. Qui est très dangereux. Et nous vraiment, on aimerait bien te voir sur scène. T'as déjà eu à faire les scènes? Ouais, quelques fois. Quelques fois, hein. Bon, il y a eu une finale du championnat de handball, je crois, au palais des sports de Trècheville là. J'ai eu à faire une prestation là-bas. En tout cas, quelques prestations du moins. D'accord. Ah, c'était comment? Comment tu as trouvé? Ouais, c'était bien. C'était avec mon groupe Frénétique. Donc on a. Je crois que c'était bien. Mon souhait, c'est que tu fasses comme tu fais carrière solo en ce moment. Ouais. Que tu aies voilà, des J'ai scènes. J'ai aussi fait la première partie de Oracop. Ils ont fait un concert récemment là. L'année passée du moins, en décembre. J'ai fait la première partie de Oracop, du concert de 8 Guns aussi au stade Nungré là. Ouais. C'est bon, c'est déjà bon. Et tu collabores avec certains rappeurs ivoiriens? Oui, j'ai fait une collaboration avec D14. D14, le titre c'est Moza, c'est sur YouTube. Bon, d'accord. C'est la seule collaboration que j'ai faite. Avec un artiste connu. Ouais. Pour l'instant. Mais tu sais, je pense que c'est vrai, tu as du chemin, mais je pense bien que pour toi, les choses vont aller très vite. En tout cas, il est sur la bonne voie. Les choses vont aller très vite parce que tout à l'heure, là, on a fait le petit live ici. Il est bien rentré dedans. Il est sur la bonne voie. Et vraiment, il était bien. Moi, j'ai rien à dire dessus. Tout ce que je peux dire, c'est que continue comme ça. Merci. Voilà, l'équipe c'est la bonne voie. Mon album est open. S'il veut bien poser. Voilà. Tu vois, par exemple, une collaboration déjà avec Sekacha. Y'a pas de problème, c'est cool. Ça va être très bien en tout cas. Voilà, merci. Lui, il fait le compte et puis toi, tu rappes et puis lui, vient faire le refrain. Il te met le compte. Ça sera trop de l'innovation. Ça sera vraiment. Ce serait vraiment un truc succulent, magnifique et jamais vu. Adèle, tu aimes manger jusqu'à ces succulents qui sont premiers ici. Bon, les auditeurs, vous succulent, voyez. Elle pense déjà un steak. Vous voyez. À un poisson. Non, je pense pas à un poisson. Comment grossir, libérer ma femme. En tout cas, vraiment, c'était vraiment magnifique. Et je crois que Asafi aussi chante en langue, non? En baoulé, je crois. On est déjà à la fin de l'émission. Ouais, j'ai fait deux sons baoulés. D'accord. Il y a un qui est déjà sorti, un autre bon. Lui, on ne sait pas quand il va sortir. Et les, pourquoi? Les gars disent que c'est un hit. Donc depuis 2017. Fais-nous le refrain d'un son baoulé là, rapidement. Assis dans le drum, j'ai noyé ma peine. On pas baoulé. Hein. La haine dans un joint de beurre, j'ai brûlé ma peine. On se tient à Yolinga. On se tient à Claude Gant. Simplement à Oussewa. Srontimok Passemi. On se tient à Yolinga. On se tient à Claude Gant. Simplement à Oussewa. Srontimok Passemi. Yeah. École. Ah déjà tu vois c'est Vanu ici. Attrapez-moi Yeshi, je me suis évanoui. Voilà, elle veut plus s'asseoir. Je suis célibataire. C'est son mari. Bah en tout cas vraiment, on a passé un bon moment ensemble. Et donc Sapsi, si tu as un dernier mot. J'aimerais dire merci à la radio Alpha Bondi de m'avoir invité. C'est un plaisir pour moi. C'est un réel plaisir pour moi. Voilà, parmi nous. Justement, nos auditeurs de rester abonnés parce que. Oui, il faut bien leur dire. Hein. Ouais. Restez scotchés sur. Suivez-le de 97.9 FM parce que le programme Alpha est très, très, très hot en ce moment. Et après, il y a d'autres émissions voilà, qui vont suivre. Et donc, à ne surtout pas manquer. Et donc, c'est bon? Ok, là, c'était Asapsi. Et c'est Katcha. Yeah. Dernier mot? Juste dire aux spectateurs, bah, ce sont les spectateurs même s'ils ne nous voient pas, aux auditeurs que je les catch
Et aussi, merci à ces personnes qui sont restées jusqu'à la fin, qui ont suivi l'émission, qui vont suivre également le jeudi prochain, ainsi de suite. Restez fidèles à Alpha Blondie FM, mais déjà ça. Et ne pas oublier Écritude qui débute du 9 au 11 décembre. Donc le spectacle, le grand spectacle à l'Institut français le 10 à 19h. Le ticket, c'est 5 000. Et voilà, et n'hésitez vraiment pas. Ça, c'est. Voilà, ne vous. Ça coûte rien, en fait. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, en fait, sur mes pages. Partout dans le monde, écrivez CKCHA, vous allez voir. C'KATCHA. Je suis là. Je vais vous répondre. Envoyez-moi des messages, je réponds. En tout cas, il est très bien placé pour dire que ça coûte rien parce que ça ne lui a pas coûté quelque chose du tout d'en parler ici. Voilà, pas du tout. Vraiment, il a fait la promo au maximum. Et tu nous dois de l'argent pour ça. Écoutez, c'était gratuit pour lui, même s'il en abuse un peu. Mais bon, nous, ça nous fait plaisir. 97.9. Écoutez mes albums. Alpha Blondie. Écoutez Alpha Blondie FM. C'est voilà. Le père, on fait comment? C'est maintenant que tu as parlé. La radio porte le nom du père. Voilà, on fait comment? Tu parles de SCT, mais c'est pas tout. Écoutez Alpha Blondie, écoutez Alpha Blondie FM. Voilà, ok. Donc là, on a fini. Allez, les gars, on dit au revoir à tout le monde. D'accord, alors moi j'ai une annonce à passer. N'oubliez pas d'appeler le mardi de 18h à 20h à Playoff pour le jeu concours Le Barrasseur. Il y a plein de lots à gagner. Allez. Et le numéro c'est le 27 22 47 89 00. Big up, big on up vous dit à jeudi prochain. Bisous. Ok, Serge, je vous bénisse.